Maman,
Voilà, Nangaï Malam. Nangaï Nassala qui manœuvre. Il y a pour clôturer moi de la femme. On est bien que Yako Ya. Félix Antoine Tshisekedi, merci pour la ndenge aboni ba mama. Non seulement ils ont monté IDPS, mais la carte IDPS a connu Nani. Maman! Secrétaire général à Autre chose, la province du Nord Kivu en proie à l'insécurité causée par les rebelles rwandais compte des milliers de déplacés venus des Massissi et Rutshuru. Ces derniers ont été assistés par les députés provinciaux du Haut-Katanga, Serge Ouandja, comme les témoignent ces reportages commentés par Rodé Panda. Les déplacés de guerre venus de Massissi et Rutshuru, hébergés au camp Boulengu, au quartier vert, dans la ville de Goma, province du Nord Kivu, ont bénéficié de l'assistance de l'honorable Serge Ouandja, élu du Haut-Katanga. L'accueil offert à l'honorable Serge Ouandja et le membre de sa fondation par ses victimes des massacres du M23 est l'expression de la satisfaction. Les visionnaires de la fondation Serge Ouandja avaient dans sa gibecière un colis important composé de farine, savon, fretin sec avec une enveloppe. Occasion pour la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS Goma de saluer ses gestes philanthropiques. Pour le coordonnateur national de la fondation Serge Ouandja, la présence de son initiateur dans la ville de Goma est une preuve de la préoccupation et la compassion de toute la nation congolaise envers nos compatriotes en détresse. Alors tout ce que moi je peux demander à tous les Congolais, on doit être derrière le chef de l'État pour barrer la route aux ennemis de la paix, qui sont l'M23 et leur chef Kagame. Alors on doit être unis ensemble, la jeunesse, on doit être unis derrière le chef de l'État pour leur apporter le soutien, afin qu'on puisse barrer cette route. L'honorable Serge Ouandja en appelle au soutien de tous les Congolais derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette guerre insensée. En Ituri, la députée provinciale honoraire Julie Adabaï Machosi prône l'unité et la réconciliation afin de barrer la route à l'ennemi, le Rwanda. Elle est au micro de Julien Selemani de la RTNC Bounia.
La session ordinaire de mars 2024 s'est ouverte le samedi 30 mars 2024 à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Dans son discours d'ouverture, le président du bureau définitif, l'honorable Adjarou Vadjaladjek Samuel, a réitéré sa détermination de travailler pour le retour de la paix en Ituri et de collaborer avec l'exécutif provincial pour cette fin. Il a demandé aux groupes armés de cesser de tuer leurs frères et aux jeunes d'éviter de prendre de la drogue, de boissons fortement alcoolisé pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez signé des accords à Nairobi, à Abu et à Gedi. La province détient tous vos engagements à la cessation des hostilités. La vie même est sacrée et vous l'effacez pourtant comme celle d'un insecte. Regardez dans le rétroviseur et arrêtez. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu en présence du gouverneur de province, représenté par son vice, le commissaire divisionnaire Raoul Tchaloué, s'est clôturée par une réception à l'hôtel Kirikou où les députés provinciaux, les agents et cadres de l'Assemblée provinciale et quelques invités ont partagé un repas en signe de l'unité et de la fraternité souhaité par tous. Présent à cette cérémonie, l'honorable Kibasi Mambogemu Ateni a félicité les députés provinciaux pour leur élection. Il les a cependant invités à regarder tous ensemble dans une même direction car le peuple attend beaucoup d'eux. J'ai d'abord félicité les députés provinciaux pour leur élection, mais aussi les remercier pour le vote de confiance qu'ils ont accordé aux 5 membres du bureau. Comme Assemblée provinciale, collaborer correctement et de manière la plus dynamique avec son Excellence le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi ici sur place, les chefs de l'État et le gouvernement national sont représentés par l'administration provinciale qui aujourd'hui est dirigée par le gouverneur militaire. Dans la vie, pour bien travailler, pour arriver à de bons résultats, il faut une collaboration entre les acteurs. Pendant cette session ordinaire de mars, les députés provinciaux pourront élire les 4 représentants ituriens au niveau de la Chambre haute du Parlement. C'était là l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Justice, à présent, de nouveaux magistrats nommés récemment par le chef de l'État au grade des substituts, ceux de Yumbi, province du Maïndombe, ont prêté serment, nous dit Mami Kabangoul. Prestation de serment le samedi 23 mars 2024 des nouveaux magistrats Boubacar Koumarigen et Emedi Samikwa Norbert, récemment nommés par le président de la République à la suite de son ordonnance du 6 juin 2023 pour la nomination des magistrats civils du ministère public. Ces magistrats nommés au grade de substitut du procureur de la République au parquet près le tribunal de paix de province de Maïndombe pour exécuter leur fonction. L'audience du serment organisée dans la salle polyvalente émilienne s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de Yumbi, notamment les comités de sécurité, la société civile et les responsables du tripé du territoire voisin de Bolobo. La cérémonie s'est tenue sur la réquisition du procureur de la République près le tribunal de paix de Yumbi avec l'autorisation du président de cette instance judiciaire. Pour la première, que cette instance judiciaire est opérationnelle dans leur coin. Depuis, l'ordonnance du président président Mobutu portant ainsi la création de cette entité collective, un territoire vers les années 97, les Yumbiens étaient comblés de joie et de satisfaction. Un leader du coin s'exprime. La vision avérée du chef de l'État pour une justice équitable à notre territoire, surtout que notre territoire, c'est parmi les territoires qui ont souffert de l'atrocité entre les deux tribus. Donc, comme il y a le tribunal, nous croyons que la justice va faire son travail et qu'il y aura tranquillité. Juste à l'arrivée du procureur, il a du coup ordonné l'incinération des 4 rafias pleins de chanvre saisis par les services de sécurité d'un réseau mafieux que la marine a attrapé pendant la patrouille nocturne le long du fleuve. À Kinshasa, lutte contre la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées et autres stupéfiants, les bourgmestres de la commune de Lingwala, ensemble avec la police, ont traqué les vendeurs de ces produits. Jojo Ndibou.
Dans la commune de Lingwala, la vente de boissons alcoolisées à forte dose et autres stupéfiants tels que le cannabis expose le jeune consommateur à plusieurs dangers. Ces liqueurs dosées à plus de 50% et autres stupéfiants provoquent des accidents cardiovasculaires, des maladies de foie et certains cancers chez leurs consommateurs qui souvent ignorent leurs conséquences néfastes. La vente de ces boissons alcoolisées, communément appelées zododo, agené, wika et même du chanvre, sont également à la base de l'insécurité dans la capitale congolaise en général et dans la commune de Lingwala en particulier. Pour mettre fin à cette situation, le bourgmestre de cette municipalité, Norbert Mujiga Ziyundula, s'en va en guerre contre les vendeurs et consommateurs de ces produits toxiques en les interpellant et les traquant avec l'appui de la police en vue de préserver la vie et la santé de ses administrés. Nous avons constaté que la jeunesse et l'avenir de demain se livrent à la consommation des produits narcotiques, de chambre et de biens alcoolisés, et comme nous suivons scrupuleusement les instructions vous données par la hiérarchie, on ne peut pas croiser les mains. Pourquoi je suis descendu juste pour essayer de sensibiliser les jeunes, et là où j'ai trouvé des boissons alcoolisées, il était question de détruire. C'est ce que j'ai fait. J'ai même essayé d'autres bouteilles, et ça s'alignait comme de l'essence. Je m'imagine que cela peut donner même à la santé humaine dans l'estomac d'une personne. Mieux vaut prévenir que guérir, la santé n'a pas de prix, dit-on. Cette opération va se poursuivre dans différents quartiers de la commune de Lingwala pour décourager ses vendeurs dans le souci de conscientiser la jeunesse des dangers auxquels elle s'expose.